Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition de cet écho. Des fleurs pour compter son amour, des cadeaux à profusion pour marquer son engagement. L'amour, valeur immatérielle, s'exprime aujourd'hui en espèces sonnantes et trébuchantes. De nos jours, on ne vit plus seulement que d'amour et d'eau fraîche. Il faut prouver son amour au risque de perdre l'être aimé. Et dans ce jeu de séduction et de conviction, le prix importe peu. Que vaut l'amour? Peut-on le mesurer? Si oui, comment? Le prix de l'amour, c'est le thème de cette édition de cet écho. L'amour n'existe pas. Ce sont des preuves d'amour qu'on voit. Voici un proverbe chinois, vrai aujourd'hui, dans tout le monde entier. Je t'aime, moi non plus, ne suffit plus. Il faut prouver son amour par des arguments mesurables. Pour cela, tout est mis à contribution. Fleurs, cadeaux, voyages, aucun prix n'est trop cher pour l'être aimé. Et quoi de mieux que cette journée de la Saint-Valentin pour exprimer son amour à la hauteur de ses moyens. Le marché de l'amour, c'est le thème de ce premier reportage de cet écho. Christian est saisi par le sentiment de faire plaisir à l'élu de son cœur en ce soir de Saint-Valentin. Avec un salaire de catéchiste, il a dû hypothéquer toutes ses économies pour offrir ce cadeau exorbitant au regard de l'épaisseur de sa bourse. Je suis décidé à acheter un cadeau à ma petite amie parce que c'est la Saint-Valentin. On célèbre l'amour. Même comme je n'ai pas assez d'argent, je suis obligé d'épuiser dans mes petites économies parce que je l'aime. Comme Christian, ils sont des milliers dans le monde à se sacrifier pour l'amour de l'élu de son cœur. L'amour, je pense que c'est un sentiment, c'est juste une expression. Parce que ceci-là, je ne pense pas que ça vaut l'amour en fait. C'est juste une expression, c'est juste un don pour marquer ce jour. En tant que femme au foyer, je désire offrir ceci à mon chéri. C'est du chocolat et nous allons le partager ensemble avec les enfants pour célébrer ce jour. L'amour n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix parce que celle avec qui j'ai le privilège de vivre vraiment m'offre beaucoup de bonnes choses. Et j'estime que ce n'est qu'avec beaucoup de plaisir et bref, c'est un honneur pour moi de pouvoir lui faire plaisir. C'est vrai que je lui fais plaisir à chaque fois que cela est possible. Aujourd'hui, je vois beaucoup plus ça comme tout juste un geste de plus pour lui manifester toute cette attention. Pour les tenanciers des supermarchés et magasins, c'est une excellente occasion pour engranger des bénéfices. Au-delà d'une fête, c'est une activité en même temps commerciale. Personne ne dira le contraire dans tout le monde entier. Donc c'est une fête qui nous permet non seulement de satisfaire d'abord la clientèle, parce que c'est là notre premier objectif, et aussi par la suite, si on dégage les marges, pourquoi pas, c'est aussi important. C'est ça qui nous permet de garder la flamme et de pouvoir continuer à les satisfaire au jour le jour. Dans cet univers de l'amour, un compartiment est réservé aux fleurs, langage universel de l'amour. Le 14 février, c'est un jour où on célèbre l'amour. Un jour qu'on a choisi l'amour, on a célébré l'amour partout dans le monde entier. Ce qui fait que la fleur phare de l'amour, c'est la fleur de la rose. Et la couleur de la rose, c'est la couleur rouge, la passion qui représente la couleur de l'amour. Donc nous, à notre niveau ici, nous essayons de mettre sur pied des produits, c'est-à-dire des bouquets qui reflètent cet amour-là, dont la couleur rouge est vivement représentée, plus que toutes les autres couleurs. Nous faisons la décoration florale, l'art floral. Et aujourd'hui, le 14 février, particulièrement, c'est la fête de l'amour, la fête des amoureux. Donc nous proposons des produits qui varient de 3 000 en montant. Il est vraiment, nous sommes là, nous sommes à la portée de toutes les bourses, oui, ici chez nous, au Jardin des Druides. Pour célébrer l'amour, nous avons des roses, des tulipes, des lys et d'autres fleurs. Nos prix varient de parfois de 1 000 francs. Hein. Parfois, nous avons des produits qui commencent à partir de 1 000 francs, dont tout type de clients, vraiment. Parce que nous sommes quand même à la portée du moyen camerounais également. Donc, nous ne sommes pas. C'est vrai que nous importons nos articles, mais nous utilisons aussi les produits de chez nous. Ouf, l'amour n'a pas de prix. Sauf que
Nous vivons l'amour au jour le jour et nous devons symboliser chaque année avec des présents et sa manière d'être. C'est aussi pour les amoureux le jour d'échange de cadeaux. Mon amour, wow. Je t'offre ceci en notre honneur pour notre fidélité. Merci, chérie. Dans ce champ lexical de l'amour, il y a certes l'étape des présents, mais il y a aussi du concret. S'engager à vivre ensemble, se passer la bague au doigt, fonder une famille. Cependant, il y a un passage obligé en Afrique dans le processus du mariage, la dot. Une opération très coûteuse dans la plupart des familles aujourd'hui. Je ne peux pas évaluer ce que ça m'a réellement coûté jusqu'à présent. Mais les seuls moments qui m'ont beaucoup frappé, c'est au moment où je devais tout régulariser du côté de sa famille. Parce que ça n'a pas été du tout facile, surtout quand on estime qu'on te donne un produit fini, entre parenthèses. Donc, de ce côté-là, je peux évaluer à 3 millions ce que ça nous a coûté en termes de dot. Bon, pour le reste, on ne peut pas quantifier parce qu'il y a toujours des petites dépenses. Il faut soutenir les membres de la famille et surtout qu'il y a un adage chez nous qui dit que le panier de la belle-mère ne se remplit jamais. Donc, on continue de fournir encore tout ce qu'il nous faut comme énergie. Des millions transformés en robes blanches pour des femmes, des costumes pour des hommes, des budgets pour des soins de beauté, afin de rendre la mariée plus belle et plus séduisante, des demoiselles d'honneur et ce fameux repas de noces pour couronner ces moments inoubliables. Ah, l'amour, c'est quelque chose qu'on ressent. Ça n'a pratiquement pas de prix. Parce que le prix de l'amour, c'est l'âme de la personne, c'est le cœur de la personne emportée. On ne peut pas estimer en quantité de moyens, en quantité de matériel, dans le vestimentaire, dans la dot, le mobilier, les véhicules et tout ce que ça comporte. S'il faut exprimer cela, ça coûte quand même quelque chose, ça a une valeur. En valeur absolue, on peut aller à quelques millions de francs, à quelques millions de francs. Mais toujours est-il que lorsqu'on aime une personne, on peut aller au-delà de sa pensée, on peut se surpasser de certaines choses. Quel que soit le montant dépensé, ce n'est pas ça qui fait de la valeur, mais c'est la valeur de la personne que vous avez choisie et qui est à côté de vous. L'amour, une valeur immatérielle qui coûte pourtant bien cher, car, comme le dit ce proverbe chinois, l'amour n'existe pas, ce sont les preuves d'amour qu'on voit. Si aimer coûte cher, se séparer l'est encore plus. Après tout le patrimoine amassé au cours d'une vie de couple, en preuve d'amour, quand vient l'heure de la séparation, le prix à payer est encore plus fort. Les procédures de divorce font vivre le corps judiciaire libéral, principalement huissiers de justice et avocats. Il faut aussi investir gros pour recenser et partager les biens communs acquis. Le coût de la séparation est tellement élevé qu'il affecte jusqu'à la société de par l'encadrement des enfants et leur prise en charge. Quel prix pour divorcer? C'est le thème du deuxième reportage de cet écho. L'amour exhale un parfum de bonheur quand tout est bien dans le meilleur des mondes, comme dans ce couple de Basile et Julienne, mariés depuis 35 ans. On a commencé très jeune au lycée. C'était le CES à notre époque, à Dizangui. Et le quartier administratif, c'est là où nous faisions le défilé. Donc il fallait parcourir minimum 4 km pour aller au défilé. Défilé finissant, il fallait rentrer à pied. Et alors, on a fait chemin ensemble. C'est ainsi qu'elle et moi, sous le soleil, sous la poussière, on se racontait tout et de rien. N'ayant pas de ressources, un élève, tu aimes passionnellement une femme, vous allez faire comment? On n'avait pas de repères, on n'avait rien du tout. Alors, je me suis dit, bon, en fait, tant que je ne travaille pas, on ne fait pas d'enfants. Mais quand la flamme s'éteint, le foyer devient l'épicentre de toutes sortes de conflits qui, chez certains, aboutissent à la séparation. De violence pour se comprendre. Ta femme a besoin d'affection, mais toi tu lui donnes les coups de pied de Van Damme. Elle est formée comme une guitare, mais toi tu la traites comme un tam-tam. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi?
puisque l'amour a volé en éclats, la procédure de divorce comme le mariage, qui célèbre l'amour, dont les prix explosent très souvent, le divorce est tout aussi coûteux. Le divorce, comme toute autre procédure judiciaire, a un coût. Un coût qui peut varier selon qu'on est demandeur ou selon qu'on est défendeur. Et un coût qui peut aussi varier selon qu'on est au tribunal de grande instance ou selon qu'on est au tribunal de première instance, statué en matière de droit local. Parce que la loi permet aux époux qui souhaitent divorcer le choix de ces deux juridictions. Sauf que le recours vers le tribunal de première instance, statué en matière de droit local, est conditionné par l'acceptation des deux parties et par la nationalité des parties. Ça veut dire que les deux parties, pour recourir à cette juridiction, doivent être d'accord, doivent accepter la compétence de cette juridiction et doivent être de nationalité camerounaise. Personne ne peut se risquer de vous donner de manière péremptoire le coût d'une procédure de divorce. Il faut distinguer les frais de justice, les frais d'auxiliaire de justice, que sont les huissiers, les avocats, les frais des notaires, parce que le divorce ne s'arrête pas avec la décision. Et il y a la procédure qui continue, la procédure de liquidation de la communauté. Et ça, c'est le travail du notaire. Et éventuellement, il y a les frais de greffe. Si vous avez un avocat, vous savez aussi bien que moi que les honoraires d'avocat se négocient en fonction de la complexité du dossier et en fonction du client. Ça veut dire que les frais qu'on prendrait pour le divorce d'un ministre ne seront pas les mêmes pour un papa du village. Donc, ça dépendra de la notoriété aussi de l'avocat. Un avocat de 30 ans de barreau ne prendra pas les mêmes honoraires qu'un avocat qui fait ses premiers pas dans la profession. Mais ce n'est pas tout. Il y a la gestion de l'après-divorce, la charge des enfants, la division du patrimoine. Il faut dépenser presque autant de moyens qu'il y en a fallu au début. Lorsqu'on a cette décision définitive, si le couple a eu des biens, il faut bien procéder à la liquidation de la communauté au partage. En ce moment, il faudra payer les honoraires de notaire et payer les frais connexes. La loi demande de donner la garde des enfants à l'époux au profit de qui le divorce est prononcé. Le juge a un pouvoir souverain d'attribuer la garde de l'enfant aux parents qui peut mieux assurer l'intérêt des enfants. La facture crée une fracture dont les conséquences sont innombrables. Par exemple, les violences conjugales qui conduisent très souvent aux urgences. Selon une étude menée dans la ville de Yaoundé, près de 500 enfants se retrouvent dans la rue à cause du divorce des parents. Pour toutes ces raisons, il est souhaitable que l'amour, quand il entre par la grande porte, soit nourri et alimenté pour qu'il produise ses meilleurs fruits dans un foyer. Sinon, il se volatilise et laisse des blessures qui marquent à vie. Cet écho cette semaine reçoit Laurentine Assiga, qu'on ne présente plus, journaliste culturelle, organisatrice d'événements. Laurentine Assiga vient parler avec nous de ce que ça coûte l'amour aujourd'hui dans les foyers. Bonjour Laurentine. Bonjour Gisèle. Il faut dire que vous répondez doublement à nos attentes. Vous êtes journaliste, vous êtes souvent au front des questions de l'amour, des questions culturelles qui tournent autour des sentiments, de la vie à deux. Mais également, vous êtes intéressante pour nous parce que vous avez été au front des questions de l'amour vous-même.
Tout à fait, je crois que je réponds au casting. Vous répondez au casting. Peut-être qu'il faut rappeler à nos téléspectateurs, Laurentine a été mariée, a également divorcé avec fracas. Oui, peut-être pas avec fracas, mais de façon très discrète, parce que c'est des moments difficiles. Hein, parce que quand on s'est dit, bon, on prend un parcours, on a une ambition, et qu'à la... Au milieu du parcours, on se rend compte qu'on s'est peut-être trompé de cavalier. Donc la danse commence à être un peu bancale. Mais à un moment, il faut pouvoir prendre la décision pour pouvoir garder la paix. La question du financement de l'amour. On parle beaucoup d'argent là où on parle d'amour. Pourquoi? C'est une économie, en fait. L'économie sentimentale, moi j'appelle ça comme ça. Déjà au départ, pendant l'étape de séduction, il y a quand même des charges. L'homme ou la femme va faire des petits cadeaux, ça coûte. Je crois que l'amour est un investissement qu'on ne calcule pas. C'est vraiment un gros investissement. Et quand on sort donc de cette phase même de séduction, on se retrouve peut-être en mariage coutumier, là aussi ça coûte. Les dots aujourd'hui vont à plusieurs millions. Donc ça dépend de la valeur qu'on donne à la dulcinée, parce que très souvent c'est les hommes qui supportent ces charges-là. Et on quitte dans le mariage coutumier, on se retrouve au mariage civil. Là aussi, ça coûte cher. Moi, je me suis mariée ici. Je crois que seulement pour se faire enrôler là, c'était 250 000 francs à débourser, sans compter d'autres charges liées à la robe, aux chaussures, les filles d'honneur, les garçons d'honneur, tout ça. Donc, ça coûte cher, autant pour la femme, autant pour l'homme. Et vous quittez là, même au mariage religieux, là-bas aussi, il y a des frais. On va vous dire, il y a la dîme, il y a les frais de construction. Bref, il y a tout un ensemble de charges qui va s'élever peut-être dans certains cas, dans certaines paroisses, à 200, 250 000. Et là, il faudra donc inclure la restauration, la location de la salle, les impresarios, tout ça. Donc, c'est énorme, mais l'amour ne compte pas. Est-ce que tout ça est important pour prouver qu'on aime? Oui, c'est nécessaire. En fait, moi, je conçois la vie de couple comme ça. C'est une entreprise. Autant on se fixe un plan d'action pour voir comment on se développe, autant on se fixe aussi des petits axes pour fleurir, pour que ça fleurisse, parce que c'est une graine qu'on sème. Comme ça, de façon aléatoire, Cupidon balance sa flèche et là, bon, chacun est... ça frissonne là, mais comment est-ce qu'on entretient ça? Sinon, on ne veut plus d'amour et d'eau fraîche. Donc, ça coûte cher. Mais quand je vous entends parler, Laurentine, j'ai l'impression que dans ce jeu de séduction, ce jeu de preuve de l'amour, c'est les hommes qui font le plus de sacrifices. Est-ce que les femmes n'aiment pas? Bon, bien sûr, les femmes aiment, mais elles ont d'autres atours et d'autres atours. Mais aujourd'hui, les mentalités ont un peu évolué. La femme n'est plus attentiste. Donc, elle ne va pas seulement au front avec de belles paroles. Elle peut commencer parfois. D'autres offrent même des voitures. Hein. Oui, j'ai un ami qui m'a dit, je suis arrivée chez moi, j'ai trouvé un véhicule de couleur rouge garé. À la Saint-Valentin. Oui, c'est une fille. Il ne la connaissait pas. Mais elle a flashé sur lui, sur Facebook, elle a laissé les cryptos, même avec son numéro de compte bancaire, en disant que tout cet argent va t'appartenir si tu acceptes d'être avec moi. Je suis la femme de ta vie. Cette volonté culturelle qui voudrait que l'homme soit le chef de famille et qui a été transposée dans le code civil. Donc ça veut dire que l'homme est à la charge de l'épanouissement de la femme. Donc ça c'est dit, même dans nos propres coutumes, on nous l'enseigne. Donc la femme, quand nous on nous éduquait, oui l'homme va tout faire, donc tu n'as pas à lever le ton, donc c'est lui le chef. Et du coup, on est arrivé dans un système aujourd'hui où les mentalités ont évolué. Donc la femme autant peut également démontrer son affection, bien son amour, sa tendresse à cette moitié-là. Et donc aller avec les moyens conséquents. Et puis vient le moment où tout ça se gâte. Oui. Et ça coûte cher aussi de se séparer. Ah oui, c'est plus cher que quand on organise. Ça coûte plus cher émotionnellement parce que on se retrouve dans une désillusion totale. La personne qu'on prenait pour un ange à qui on a déclamé parfois des poèmes se retrouve à avoir un visage un peu méconnaissable. Il faut maintenant recadrer tout, revoir toute sa vie, recommencer à réfléchir autrement parce qu'on avait un rituel, une façon de faire. Et du coup, il faut réfléchir. Est-ce que
pour me tuer demain. Est-ce que, parce que tout passe dans la tête, parce que s'il y a légalement des cas de violence, aujourd'hui on assiste à des féminicides, ça peut partir une petite gifle un jour et après on se dit non, on minimise, bon, on se dit ok, pardonne-moi, mais à la lue, à la longue, vous voyez, ce n'est plus seulement la gifle, ça devient autre chose. Donc à un moment, vous dites, hey, faut que je sauve ma vie. C'est ça qui fait le plus mal, parce que en même temps, les familles se sont connues, les s'il y a des enfants en plus, il y a tout ce trauma là qu'il faut. Donc il faut une autre éducation, il faut se rééduquer soi-même, réapprendre à se faire soi-même confiance. Et parfois, quand on se retrouve au tribunal, c'est là où vous voyez les visages. Hein. Ah, c'est tout un spectacle, les mensonges s'affusent de partout. Donc, il faut avoir un mental assez fort pour supporter de voir l'autre mentir de façon exceptionnelle devant le juge. Alors là, il vous faudra apporter des preuves qu'il est en train de mentir ou bien qu'elle est en train de mentir. Donc, vraiment, c'est... Mais au-delà du trauma, il y a le coût également. Un divorce, oui. Ça coûte cher. Oui. Il faut des avocats, oui. Il faut la pension alimentaire, dans un sens comme dans l'autre. Tout dépend du choix du régime matrimonial. Donc si vous êtes sous régime bien séparé, vraiment chacun s'en va sans trop nuire à l'autre. Mais quand il y a un régime de biens communs, c'est là où ça pose problème. Si vous avez des biens immobiliers, par exemple, vous n'allez pas diviser la maison. Surtout s'il y a également des enfants, il faut gérer la garde, c'est pas la garde partagée. Quand il y a garde partagée, les avocats pour enrôler le dossier dans certains cabinets, c'est à partir de 50 000 minimum. Donc à chaque fois que l'avocat devrait se déplacer, il faut également penser à payer les honoraires. Donc toutes ces charges fixes-là, vous pouvez vous retrouver au bout d'un divorce à 5 millions de francs. Et parfois, il faut payer l'autre. Oui, oui, oui. Il faut payer en continu. Il faut payer. On paye dans sa vie, tout au long voilà. de sa vie. Surtout pour les hommes, ça épargne de beaucoup de choses. Parce que si par ailleurs la famille vient s'incrustrer dans votre problème, dès qu'il y a séparation, non, là, ça c'est mon frère qui a acheté la voiture là. Hey, sors d'ici, c'est pas ta maison. Donc il y a des cas comme ça. Donc vraiment, tout, il faut bien choisir son régime matrimonial. Vous pensez que. L'amour, ça vaut le prix qu'on y met. Je ne pense pas. Je pense qu'on peut mettre encore plus de prix. Ah bon? Oui, parce que c'est, je crois que l'amour, si on le prend en termes de sentiment, c'est vraiment le seul sentiment qui vous transporte. Oui, ça vous transporte. Vous êtes comme vous planez en fait. Dans ces conditions-là, je crois que même les téléspectateurs, là, vous perdez la tête, le temps s'arrête. Mais il faut savoir avec qui le partager. Il y a tellement de nouveaux concepts amoureux, on parle de polyamour, vraiment parce que les gens ne veulent plus vivre les déceptions. On préfère accepter des concessions vraiment même bizarres en fait, qui sont peut-être indignes de votre personne. On est en polyamour, ça veut dire on s'aime à trois, on s'aime à quatre, parce que justement je ne veux pas te perdre. Bon, j'accepte quand même que comme il y a, tu me trompes avec tel, donc bon, soyons quand même à trois comme ça, chacun, personne ne paie. En fait, mais il faut qu'on retourne peut-être aux fondamentaux, parce que on a des enfants à qui on doit léguer quelque chose, des valeurs. Mais si on ne saurait sortir de cet entretien, Laurentine, sans que je ne vous pose cette fameuse question que les téléspectateurs aussi se posent en ce moment: est-ce qu'il est possible d'aimer sans argent? Non, c'est impossible. C'est comme si on demandait à quelqu'un de vivre sans argent. Parce que l'amour fait partie de la vie, c'est un cycle normal. Vous ne pouvez pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Parce que même l'eau fraîche, là, il faut payer les factures. Il faut payer les factures. Donc vous pensez que ceux qui n'ont pas d'argent, ils n'ont pas le droit d'aimer, non, ils doivent vraiment, rester seuls. Vraiment, c'est utopique. Vraiment, rester sans argent et aimer, je ne sais pas. Comment est-ce qu'on entretient la flamme si on ne peut pas... peut-être faire manger sa dulcinée ou bien manger ensemble de toute façon. Moi je ne conçois pas, parce qu'il y a des charges impondérables comme ça. Non, je crois qu'il faut quand même un minimum. Okay. merci Laurentine pour votre disponibilité, merci pour tous ces éclaircissements apportés à nos téléspectateurs, et bon vent dans votre activité de journaliste, d'événementiel, dans tout ce que vous faites. Et c'est ici que prend fin cette édition
de cet écho avait pour thème central l'amour dans sa déclinaison économique. Le prix de l'amour nous a fait réaliser que si aimer coûte cher, se séparer l'est encore plus. Que faire alors quand tout tourne mal? Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Retrouvons-nous très prochainement pour une autre édition de cet écho.